nous tout. Une celle. L'idée nous natire. Qui nous reste solidaire. Comprend ça qu'en ce valir. Nous la terre. Nous la mer. De nous manger. Zamé nous bisait misère. Bizin pour bâtir. À nous moyer piquer pour nous l'avenir. Nourrissesse. God nous promesse. Aide tout Mauricien. Et n'en meyer l'endimé. À nous mobiliser. Pour mettre bonté. Dans nos sociétés. Créer l'opportunité pour en meyer fitir. Pour génération qui peut finir. Diminuer carbone. Pour un meilleur développement. À nous comprendre changement climat. Protéger nos biodiversités. Bien essayer si nous consommons local. Ensemble, en nous l'héritage naturel. God nous tisil tranquille. Valorise la culture. Existoire pour mon pays. À nous vins signataire. Pour un l'île Maurice. Meilleur. Et dirable. Merci pour eux, merci pour nous. His Excellency, Mr. Dubois Saison, Vice President of the Republic of Mauritius, Mr. Felipe Espitalier-Noel, Chairman of the Sustainability and Inclusive Growth Commission, members of the Business Mauritius Council, Mr. Harold Mayer, Chairman of the Inclusive Growth Subcommittee, members of commissions, subcommittees, working groups, CEOs and representatives of groups and companies, representatives of NGOs, members of the Sustainability Network, our creative friends from PNP Link and United Poets who did this, bravo, by the way, staff and management of Business Mauritius, members of the press, esteemed guests, ladies and gentlemen. That's a long protocolary thing, but a very good evening to you all. I'm Darden Venkatasamy, head of the Collaborative Economic Development Cluster at Business Mauritius, and I'll be your MC for the next 45 minutes or so. When I see this, I think about Ubuntu. Ubuntu means I am because you are, or I am what I am thanks to what we are. It recognizes the interconnectedness of all beings. One belongs to a greater whole and is diminished when others are diminished. That is why we are here today. That is why you are here today. We recognize the importance of inclusive development, of not leaving anyone behind. We also recognize the emergency of the change. We are here because we want to see positive, sustainable change. Alone, we go fast. Together, we go far. At Business Mauritius, we mobilize ourselves and others, that's you, to drive the change. Today is not about launching guidelines, that's why we invited you. It's about thinking and doing differently, about making an impact. Over the next 45 minutes, a few passionate people will share this vision with you. So it's not about me, it's about them talking to you. Let's start. I'd like to invite Mr. Kevin Ramkalawan, CEO of Business Mauritius, to deliver his welcome note. Thank you. Merci. Bon après-midi, tout le monde. The protocols have been done, so I'll start by saying all protocols observed. But a very, very warm welcome to His Excellency, Mr. Bois Saison, Vice President of the Republic of Mauritius, because particularly we know how passionate you are about poverty alleviation. And today, this is the business community's response, in a way, to our social contract, our social pact, and we are very fortunate and delighted to have you in our midst. Of course, Philippe, everyone knows Philippe, he's the chairman of our SIG, Sustainability and Inclusive Growth Commission, and the, you know, the forethinker of all this SIG-Natia that we are today looking at. And Harold, how can we forget Harold, who has been really helping us as a business community structure
our response to inclusive growth. So thank you all of you to be here. I firstly would like to present the apologies of the BM president, Mr. Ovidia Mundigan, who would have really wanted to be here today to do this launch, but unfortunately is down with a very bad flu. So this gives me the floor, and please accept his apologies on my behalf and our behalf. A couple of words. You know, 2020 is really one of the most difficult, incredible, unprecedented years that we've seen in our near future, in our past, in fact. But I'd like to bring us back a few months ago to 2019, where Business Mauritius launched our National Business Roadmap. The National Business Roadmap was about the business community's vision of how we should see the growth of the country over the short, medium, and long term. And in fact, the key element that drove our roadmap was for better, more sustainable, and inclusive Mauritius, which is really today part of what this journey and the world journey and our own journey is bringing us to. We looked beyond GDP. We looked beyond GDP to sustainable and inclusive development. And this vision of looking beyond GDP, of looking towards sustainability, inclusive growth, was shared by the whole business community, by all the members of Business Mauritius, and particularly that of the Sustainability and Inclusive Growth Commission, which voluntarily helped us work through an umbrella brand called Signature. You've seen the small clip before. But under Signature, there are five pillars: energy, renewable energy, energy transition. The second one is circular economy. The third one is biodiversity. The fourth one is communities. And the fifth one is inclusive growth. Today, in a post-lockdown COVID-19 era, inclusive growth is probably in some ways more important. They are all extremely important pillars, but right now we feel that inclusive growth is extremely topical and important. Why? Because as we look towards the near future, as we look towards 2020 and beginning of 2021, we see that there'll be much more vulnerability in our economy. And as a business community, as the business community, it is part of our duty to start thinking about it. And this is why this inclusive development guidelines come out today. It is, in fact, a framework using best practices, but it's a framework that will help our members, the business community, in their drive for purpose. And they will be able, therefore, to mobilize their resources towards this social contract. The guidelines is a set of very actionable set of components of guidelines that goes, of course, beyond financial support. We've all committed to financial support through the CSR, when the business community engaged themselves in corporate social responsibility. But then throughout time, the business community has always responded present when it was about social contracts, when it was about inclusive growth. But this guideline goes also beyond it. It goes beyond it because we look at other dimensions of vulnerabilities. There's a social contract, but we also look at persons with disabilities, we looked at gender, and we look at all these dimensions that will make Mauritius much more sustainable. I won't talk a lot about it. I know that Harold's presentation is very much on these technical details, and he'll be able to give us a really good oversight of the guidelines. But I would like to say that already, whilst we've been getting ready to launch, we already have 60 companies that are engaged in Signature. And those 60 companies are some of the large corporates, some of the corporates, but also the small and medium enterprises. So overall, throughout types of sizes of companies, our membership is together on this sustainability pact on Signature. So I'd like to thank all of you who've contributed in the realization of these guidelines. Philippe as the chairman for the foresight in the commission, Harold and the whole subcommittee of Inclusive Growth for the detailed work that has gone through. The Sustainability Network of Business Mauritius, thank you for all your time and all your inputs. The NGOs that have been partners with us in this, and of course the BM team. The BM team that have relentlessly worked to make this a reality. So thank you very much.
and I wish you a great launch. Thank you. Thank you, Kevin, for setting the scene. One of the strategic missions of Business Mauritius is to engage business in sustainability and inclusive growth. The next four interventions, short interventions, will tell us why this is important and how the guidelines would help. I'd like to invite, to start with, Mr. Philippe Espitalier-Noël, Chairman of the Sustainability and Inclusive Growth Commission of Business Mauritius, to tell us more about how inclusive growth fits in the broader sustainability agenda. Philippe. Bonjour, bonjour tout le monde et merci Darden. Avant de toucher un mot sur ce pacte du développement inclusif, j'aimerais saisir cette occasion pour saluer mon ami et mon ancien collègue, son Excellence, M. Eddy Boissaison, vice-président de la République de Maurice, qui porte, je sais, dans son cœur le bien-être de tous les Mauriciens et que tu œuvres déjà beaucoup et ta présence ici nous honore. Merci. Merci à Business Mauritius, à Kevin et à toute son équipe pour leur proactivité. C'est ce qui permet cette proactivité d'améliorer la cohésion et l'entraide au sein de la communauté des affaires. C'est avec beaucoup d'efforts et de collaboration que nous allons pouvoir produire des résultats intéressants. La volonté de faire le bien et de participer à l'avancement du pays est une très longue histoire dans la communauté des affaires. La notion de la philanthropie a pris une tournure bien différente depuis 2009, avec l'introduction des nouvelles règles au niveau du CSA pour en faire une obligation à concurrence d'une contribution de 2%, qui, je pense, était une chose importante et un breakthrough intéressant pour une avancée, allons dire, plus forte de la contribution des entreprises vers ces questions. Les entreprises sont devenues au fil des années plus conscientes des défis socio-économiques et du besoin de leur engagement sur le plus long terme. C'est un travail qui doit se faire dans la durée. Ce n'est pas toujours évident, j'en parlais avec Kevin tout à l'heure avant la pause, de développer un tissu vraiment qui s'installe dans la rigueur, dans la discipline et dans la durée. Beaucoup de nos collaborateurs travaillent dans un environnement déjà bien établi, que ce soit au niveau de la comptabilité, au niveau des ressources humaines et bien d'autres. Et le sujet de la responsabilité sociale et de la contribution est une dimension bien plus compliquée à réussir à introduire dans l'entreprise, et c'est en continuant d'essayer que nous allons réussir. Le développement inclusif est une condition essentielle pour des équilibres sociaux nécessaires. Je crois que notre souhait, tous ici, et les chefs d'entreprise qui n'ont pas pu être là, est vraiment de s'inscrire dans une démarche de développement durable et inclusif. Alors, depuis quelques années, une bonne partie des fonds dégagés par les contributions du privé au CSA vont directement au National Social Inclusion Foundation, à NSIF, qui a aujourd'hui le contrôle d'une bonne partie de l'allocation de ces ressources. Je tiens aujourd'hui à saluer l'approche méthodique de la NSIF, qui fait du bon travail, tout en maintenant notre recommandation pour un assouplissement, et dit, de la proportion des contributions qui sont reprises par la NSIF. Avec la baisse de la profitabilité des entreprises, nous réalisons que ça ne va pas être évident sur les 12 prochains mois, sur les 18 prochains mois, de libérer les fonds nécessaires afin de continuer à soutenir nos œuvres. Avec déjà 75% de nos fonds qui vont vers la NSIF, ça réduit énormément notre capacité d'action et je pense nécessaire de redire les convictions de Business Mauritius par rapport au fait que nous aurions aimé avoir une marge de manœuvre plus forte sur les distributions de ces contributions. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de l'inclusion. Le pacte de développement inclusif qui vous sera partagé contient des leviers très simples et qui aident à éradiquer la précarité et les inégalités. Il y a 7 catégories de leviers qui ont été identifiées et qui vous seront partagées tout à l'heure. Elles sont simples, assez pratiques, réalisables assez facilement avec le suivi nécessaire. Toutefois, il faut être convaincu, il faut être engagé
et engagée encore une fois dans la durée. Je fais un appel aujourd'hui à tous les chefs d'entreprise pour saisir l'opportunité et d'avancer ensemble vers une île Maurice plus durable et inclusive, afin de réduire durablement les déséquilibres que nous observons dans la société qui, malheureusement, sont appelés à s'agrandir sur les prochains mois. Je tiens à remercier Harold Mair et son comité qui travaillent à fond depuis 2012, avant même la création de cette commission, avec vraiment une mobilisation et à apporter, je crois, de l'expérience et des changements concrets qui sont réalisables et salutaires. Donc je pense que ça sera intéressant d'écouter Harold par rapport à l'ensemble de ses expériences. Nous lui sommes reconnaissants et je sais que tu as été la cheville ouvrière de bien des initiatives, y compris, si je me souviens bien, un jour de ton propre temps dédié par semaine à la cause. Donc ce qui fait, je crois, bien des heures contribuées en volontariat. Bravo, Harold. À un moment où l'unité nationale et la solidarité est grandement sollicitée, je compte sur vous tous pour vous rejoindre à nous dans ce beau projet collectif. On a, je crois, bien des choses à faire et des défis à relever. Merci pour votre attention. Merci Philippe pour cet appel à la mobilisation. En fait, c'est très important. Tu le fais à chaque fois. Merci aussi pour ton engagement, lui-même durable, aux côtés de Business Mauritius. Je rebascule à l'anglais. We are privileged to have on our Inclusive Growth Subcommittee a group of passionate and committed members, one of whom is Mr. Jonathan Ravat, who brings that critical expertise and that non-business view to the table. He will tell us more about the role of business in poverty alleviation. Jonathan, thank you. Merci, Daven. Votre Excellence, Monsieur Élie Boissaison, vice-président de la République, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vu le court temps qui m'est alloué, je vais essayer d'aller droit au but. Et si je laisserai le soin à Harold de vous parler du comment la communauté des affaires peut s'engager dans la lutte contre la pauvreté, je voudrais prendre les minutes qui me sont allouées pour vous partager le pourquoi. Car, comme dirait Nietzsche, give a man a why to live for, and he will be able to bear almost anyhow. Alors, allons essayer de se concentrer sur le pourquoi, et je vous proposerai trois pourquoi. Premier d'abord, comme on aime dire en créole à Maurice, la lutte contre la pauvreté est sexy. Oui, osons le dire, d'autant plus que depuis les institutions de Bretton Woods et la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y a eu un intérêt de la communauté des affaires pour la société, pour la pauvreté. Sexy, vendeur, d'où l'accoutumance dans le passé avec tout ce qui est public relations, HR, communication, etc. Mais plus sérieusement, vous l'aurez compris, de par ce qu'est la pauvreté, elle demeure le portail, la porte d'entrée, le catalyste le plus facile, le plus évident à saisir vers l'engagement social. Parce que la pauvreté se donne à voir. Elle challenge notre pensée, elle bouscule notre cerveau, puisqu'il est facile de voir la pauvreté au niveau individuel et collectif. De la même manière qu'il est parfois plus aisé de parler de l'impact écologique du trafic aérien plutôt que de parler de la pollution numérique à l'ère de la quatrième révolution industrielle, il est plus facile pour les êtres humains que nous sommes d'entrer dans l'engagement social par le biais de la pauvreté. Porte d'entrée, portail, catalyste,
elle nous donne à voir non seulement des conditions palpables et tangibles, mais aussi et surtout des concitoyens, des êtres humains qui sont en situation de discrimination, d'inégalité, de rejet, d'exclusion. Il y a donc un tandem, pauvreté et pauvre. Et pour le chercheur que je suis, la communauté académique a eu parfois, malheureusement, la mémoire courte, se focalisant sur la pauvreté en oubliant les pauvres. Mais plus sérieusement encore, s'engager contre la pauvreté et la misère, à trois jours après la journée mondiale du refus de la misère et de l'élimination de la pauvreté, permet à la communauté des affaires d'emboîter le pas, d'apporter son expertise et peut-être même de prendre le relais dans une immense révolution citoyenne qui est en train de se faire progressivement, mais certainement pas depuis la pandémie du coronavirus. Non, mais depuis le virage symbolique du 21e siècle. Certes, André Malraux a dit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas. » Toujours est-il qu'il se trouve ici et là, dans le monde entier, des initiatives d'hommes, de femmes, de jeunes, partout dans tous les domaines, et qui sont en train de « speak by themselves » parce que, qu'on le veuille ou non, nous pouvons assister, nous pouvons voir dans cette pléiade d'initiatives citoyennes un virage des plus intéressants, que le coronavirus est venu accélérer, intensifier même peut-être. Nous parlons de quatrième révolution industrielle, comme vous le savez, terme qui vient de Klaus Schwab, le fondateur et président exécutif du World Economic Forum, mais j'oserais parler de révolution citoyenne en même temps. Nous avons été habitués dans le passé avec des exemples comme le commerce équitable, le tourisme solidaire, Mohamed Younous et la Grameen Bank, mais il y en a beaucoup plus que ça. Permettez-moi quelques exemples très rapides, je vous le rassure. La recherche de Change Makers par Bill Drayton et la Fondation Ashoka, le croisement des savoirs, initié par Joseph Rezinski, est répandu dans le monde entier avec les universités populaires CarMonde. Toutes les initiatives citoyennes décrites, décriées dans les documentaires comme Demain et Enquête de sens, que je suis sûr vous avez dû voir. Les recherches à Oxford du professeur Kate Raworth, qui parle d'un nouveau modèle de développement économique du nom de Donut Economics. On parle de démondialisation, de perma-économie. Thomas Piketty se fait parfois un peu lyncher par ses études autour du capital et de l'idéologie, tandis que Gaël Giraud nous propose des suggestions, des pistes pour réformer le capitalisme. Et même, une relecture du grand Adam Smith est en train de se faire, conjuguant sa grande œuvre « Richesse des nations » avec sa première œuvre « Théorie des sentiments moraux », comme pour mettre un peu plus d'éthique et d'altruisme dans le monde des affaires. Même un roi s'y est mis, Sa Majesté Jigme Singye Wangchuck, oui, c'est un vrai nom, roi du Bhoutan, qui a choisi, plutôt que d'aller vers le PIB, d'inventer le bonheur national brut. En somme, comme l'écrivent William Edgers et Paul Macmillan, a solution revolution, ou la révolution des solutions, est en cours avant la pandémie. La business community can't
escape, nor can it be far from these. De sorte que, emboîtant le pas, pénétrant ce souffle citoyen du XXIe siècle, je suis persuadé que la communauté des affaires sera ce qu'elle doit être, elle aussi militante des droits de l'humain, afin de faire que le HR, Human Resource, devienne HR, Human Rights. Mais plus sérieusement encore, et ce sera mon mot de la fin, l'engagement de la communauté des affaires dans la lutte contre la pauvreté est un must, est un engagement proactif et pertinent contre ce que je considère être le plus grand et le véritable ennemi de l'être humain et du vivre ensemble, la violence. Mais attention, pas n'importe quelle violence. La violence qui se cache, la violence qui se terre, invisible, insidieuse, pernicieuse et qui peut gangréner progressivement nos sociétés contemporaines et multireligieuses, multiculturelles comme la nôtre. C'est pas pour rien que le professeur Johann Galtung va parler de violence structurelle ou que Pierre Bourdieu va parler de violence symbolique. Ce n'est pas pour rien qu'ATD Quart Monde et l'UNESCO vont dire que la pauvreté et la misère ne sont ni cause ou effet de violence. Elles sont violence. Si l'engagement contre la pauvreté et la misère est un portail pour la communauté des affaires, la misère et la pauvreté sont également un portail pour mieux cerner cette violence insidieuse. Violence machiavélique, sournoise, oppressante, déshumanisante, dont aucune société n'est à l'abri, si elle ne se donne pas les moyens de proposer un chemin alternatif et innovant de bonheur. Sinon, nous vivrons en paix, paix définie comme absence de guerre, mais en réalité en negative peace, parce que les vrais issues et les vrais tabous de notre société plurielle ne seront pas addressés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons connu, nous, petits pays paradisiaques, dont Dieu se serait inspiré avant de faire l'Éden, dit-on. Nous avons connu en 1968 une bagarre raciale que les tabous veulent faire taire. Nous avons connu en 1999 des émeutes. 30 ans séparent ces deux faits de l'histoire contemporaine mauricienne. 30 ans après 1999, c'est 2029. J'ose donc le dire, nous sommes 20 ans après 1999 et nous ne voulons pas, personne ici, j'en suis sûr, certainement pas moi, nous ne voulons pas que d'ici 9 ans ou moins, le cycle se répète. Nous ne le voulons pas et nous ne le supporterons pas. Voilà pourquoi ce grand idéal de la véritable paix, et non pas de la negative peace, nous appelle dès à présent à nous réinventer, dès à présent à nous engager. Tous Mauriciens de tous les horizons, de toutes les communautés, genre, âge, religion, secteur public, communauté des affaires. Et ce que nous sommes en train de lancer et célébrer aujourd'hui témoigne de ce désir de faire société. Je n'aurai donc qu'un mot à dire. Continuons, parce que cette belle République que nous aimons tant est en train de nous attendre.
Vive la République de Maurice. Merci. Difficile de passer après ça, mais merci Jonathan. Vous comprenez ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il apportait ce regard un peu différent au sein de à notre table. J'avais oublié de préciser que Jonathan fait partie du National Economic and Social Council, du NCIF et du National Human Rights Commission. Ceci explique cela. Vous n'avez pas besoin de donner plus d'explications. NGOs are key intermediary organizations, relays to understand and reach out to vulnerable groups. At Business Mauritius, we created a BM NGO working group to widen and deepen the collaboration between businesses and NGOs. We're pleased to welcome today two members, representatives of NGOs, Mr. Kunal Naik and Mrs. Patricia Adel-Felicite. I'll start with Mr. Kunal Naik, Advocacy and Communication Manager at PILS, who will tell us more, both, about how the guidelines can take this relationship between businesses and NGOs in the right direction. Kunal, thank you. Ladies and gentlemen, Your Excellency, all workers observed, it's a very difficult task to talk after my friend Jonathan Rava, obviously. So I'm going to try to be brief but precise. When I was invited to be part of an NGO business growth committee, it was for me a very enriching experience having this collaboration with the private sector. I know most of us have several meetings to attend, but I found myself looking forward to these meetings because the space that was created under the chairmanship of Harold gave us the opportunity to think outside the box and really look at ways that we could collaborate both NGOs and the private sector. Through several meetings, we managed to create, to contribute to the guidelines that will be launched today. And I firmly believe that between NGOs and the private sector, beyond financial gains, the collaboration between NGOs and the private sector beyond financial gains will allow us to learn from each other, not only for the benefit of our companies and organizations, but for communities at large. These guidelines that will be launched today will allow us to methodically synergize our efforts to have a sustainable, positive impact. One key example of how we can collaborate was shown when, during the COVID pandemic and lockdown, the NGO Solidarity Committee was created, again under the chairmanship of Harold, and we managed to actually strategize and look at ways of how the COVID was going to impact. And one thing that came out of this was a key survey that will allow us to hopefully help a larger number of people living in poverty, especially due to the impact of the COVID. I firmly believe that NGOs can learn from the private sector. The way you operate, the way you strategize, can benefit the way NGOs are in touch with communities, the way we can have a positive impact on the lives of many individuals. By joining our efforts, resources, we can have a stronger voice to face the various challenges ahead, and I believe a lasting impact on Mauritius. Thank you. Thank you, Gunnar. C'est un plaisir d'inviter Patricia, secrétaire générale de Caritas, à nous dire quelques mots sur ce qu'elle fait et sur la collaboration business-NGO. Bonsoir à tout le monde, votre excellence. Bon après-midi à tous et merci de me donner l'occasion de m'adresser à vous et de remercier toutes ces entreprises qui ont toujours soutenu et se sont engagés dans le social avec Caritas et aussi avec d'autres organisations de la société civile. L'initiative de Business Mauritius aujourd'hui démontre que notre société et notre pays a franchi un nouveau pas en venant de l'avant avec ce concept d'une société inclusive, d'une croissance inclusive. Caritas vient de célébrer ses 55 ans. Et les fondateurs de Caritas en 1965 étaient des jeunes professionnels qui avaient pour objectif de professionnaliser la charité. Aujourd'hui, grâce à un millier de bénévoles, des centaines de travailleurs sociaux
et surtout grâce à des années de partenariat avec les entreprises mauriciennes et le soutien des citoyens, je peux dire que nous sommes en bonne voie. Cet après-midi, je voudrais souligner trois aspects de ce développement de la croissance inclusive: l'employabilité, le logement et le développement communautaire. Un emploi décent, un salaire décent, c'est la base pour l'élimination de la pauvreté. Quand on voit le nombre de familles qui ne mangent pas leur faim aujourd'hui, le nombre de familles qui ont des travaux instables, qui a pour résultat des conditions de vie, une santé précaire, des familles qui ne peuvent accéder à un logement social par manque de moyens financiers, quand il n'y a pas un revenu stable dans la famille, c'est le stress, c'est la tension. Et tout le temps, quand il n'y a pas à manger pour mettre dans l'assiette, la santé physique et mentale est affectée. C'est sûr, l'éducation et la formation sont les moyens d'améliorer cette situation. C'est pourquoi Caritas, à travers son service de formation, propose de la formation pour les analphabètes. Une formation en alphabétisation fonctionnelle qui est faite au sein même des entreprises. Une autre formation pour un plus grand nombre, c'est le développement personnel, le Life Skills Management, qui est offert aussi par Caritas. Nous nous sommes lancés dans la formation vocationnelle avec plusieurs entreprises à travers le National Skill Development Program, le NSDP de la HRDC. Grâce à cette collaboration, nous arrivons à offrir des stages en entreprise aux jeunes, garçons et filles, et même aux mamans. Grâce à l'alphabétisation fonctionnelle taillée sur mesure pour l'entreprise, nous permettons à des employés de mieux maîtriser leur travail, de développer des nouvelles technologies et d'avoir des promotions dans leurs emplois. Et grâce à la formation de Life Skills Management en entreprise, nous avons des employés heureux qui ont un projet de vie et sont responsables dans leur travail. Ces dernières années, nous avons aussi collaboré avec le MIF CSR Fund pour donner ces cours dans les communautés ainsi que des formations en entrepreneuriat à des self-employed. Toutes ces formations sont HRDC refundable, c'est-à-dire un avantage pour les entreprises. Un logement décent. Cette année, la société mauricienne a été frappée de plein fouet avec cette triste réalité. Des milliers de familles vivent dans des conditions inacceptables, dans des taudis sans eau ni électricité, dans la promiscuité totale. Plusieurs familles de 9 à 12 personnes dans une deux pièces, si ce n'est pas une seule pièce. Pendant le confinement total de plus de 60 jours, certaines de ces familles n'ont pas pu supporter cette promiscuité. Et cela a résulté en ce que nous savons. Le droit à un logement décent, avec des espaces de vie dignes, des conditions dignes, est un must pour l'élimination de la pauvreté. Des ONG se sont retrouvées à faire un travail à l'école ou dans un centre, et quand l'enfant ou le jeune rentre chez lui, il est back to square one, par manque d'espace privé, manque de place pour faire ses devoirs. Grâce à des collaborations avec le secteur privé, Caritas a pu construire une maison de relais il y a 25 ans de cela pour accompagner des familles et avoir leur propre maison. Cette année, nous allons en lancer une deuxième maison de relais qui accueillera 10 familles à la fois. Nous viendrons frapper à votre porte. Avec la mise en place d'un fonds d'aide au logement, nous pouvons aider les familles à payer les frais relatifs au dépôt initial. Pour un logement very low cost,
à la NHDC, il faut un minimum de 75 000 roupies. Caritas a déjà 50 demandes en attente. Il nous faut trouver 3,5 millions incessamment. Pour terminer, le troisième aspect de mon intervention cet après-midi, c'est au niveau du développement communautaire. Accompagner toute une communauté à s'épanouir, à se développer, est une expérience que nous avons eu la chance, que nous avons la chance de vivre avec plusieurs fondations du privé dans différentes régions de l'île, présentes ici cet après-midi. Celle qui est le plus marquant, c'est le projet La Case L'Espoir, à Solitude, où Caritas et la Fondation Ciel et d'autres entreprises de la région ont vu sous leurs yeux cette nouvelle communauté qui s'est installée il y a 10 ans se développer pour le mieux. Aujourd'hui, ce projet qui rassemble les best practices de Caritas n'arrête pas d'innover, de se développer et d'attirer toutes sortes de compétences, de professionnels qui veulent apporter leur pierre à l'édifice. C'est un lieu où des employés veulent apporter leur contribution, participer aux activités qui s'y déroulent et surtout avec le jardin communautaire bio, profiter des belles récoltes et les programmes qui touchent aux enfants. Aujourd'hui, Business Mauritius vient lancer un défi aux entreprises mauriciennes. Et il crée aussi l'espace et nous offre l'opportunité de travailler ensemble de manière solidaire pour un développement inclusif qui ne laisse personne derrière. Merci. Thank you, Gunnar. Thank you, Patricia. For your passion, et encore bravo pour le travail que vous faites, et votre engagement, en fait, auprès de tous ces groupes vulnérables, et pour votre esprit collaboratif aussi depuis les années que nous travaillons ensemble. The guidelines themselves are the result of methodical work by the Inclusive Growth Subcommittee. Most of the members are here today. The idea was to make it easy and as clear as possible for any company, big or small, to take action and make an impact. Who else than the passionate and dedicated chairman to present those guidelines? Please welcome Mr. Al Meyer, chairman of the Inclusive Growth Subcommittee. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue, Votre Excellence. Et c'est vrai qu'on connaît votre commitment pour la lutte contre la pauvreté et votre engagement nous donne beaucoup de courage. Donc, peut-être avant de faire une petite présentation assez simple, moi j'aimerais parler de travail d'équipe, surtout, puisque la lutte contre la pauvreté ira tellement mieux s'il y a un vrai travail d'équipe entre les autorités, le gouvernement, le secteur privé, les NGOs. Et dans les dernières années, j'ai souvent vu beaucoup plus de murs que de ponts. Et je pense qu'un message important, c'est que nous arrivons tous, parce que nous partageons le même but, à travailler en équipe. Il y a un bon dialogue en ce moment qui se passe avec les autorités. Je crois qu'entre les NGOs et Business Mauritius, il y a aussi une très bonne ambiance. Et c'est en travaillant ensemble que nous arrivons à réussir. Et je profite aussi pour remercier l'équipe qui a travaillé avec moi pour le développement des guidelines. Vous êtes tous ici ce soir. Donc c'est deux ans et demi de travail pour aboutir à ce qu'on espère, qui n'est pas la finalité, mais le premier pas. Parce que les guidelines que je souhaite vous présenter aujourd'hui n'est pas une finalité en soi, mais c'est le premier pas dans ce qu'on espère être, je dirais, un speeding up du commitment des entreprises et dans des actions très, très concrètes. Alors, je crois que le why a été très bien couvert par notre ami Jonathan et beaucoup d'entre vous. Donc, moi, je serai un petit peu plus pragmatique, factuel, pour vous expliquer les guidelines et son fonctionnement. OK? Alors déjà, quand on s'est mis à travailler, il fallait comprendre la pauvreté. Et on a travaillé sur un schéma avec 6 piliers, qui aujourd'hui, je crois, est assez reconnu aujourd'hui. C'est-à-dire les 6 piliers qui, à la fois, sont la cause de la pauvreté et la solution de la pauvreté. Hein. C'est-à-dire l'éducation, l'emploi et l'employabilité, la santé, le housing, le food, et le petit dernier qui est oublié souvent, le psychosocial, qui est au centre de deux schémas.
puisque comme je crois que certains d'entre vous ont mentionné, la misère c'est surtout psychosocial avant d'être économique. Donc c'est un petit peu ça qui nous a guidés aussi dans certaines des actions que nous allons proposer. Alors nous avons voulu à travers les guidelines inspirer, certainement donner envie, puisque comme disait Pipo, si tout ce qu'on fait c'est de tick des checklists, mais qu'on n'a pas la flamme, on ne persévère pas, on ne va pas très loin. Donc inspirer c'est un objectif, mais on voulait surtout make impactful action simple. Et j'ai un de mes amis ici de OXO, petite entreprise, qui j'espère sera la première. Mais c'est vrai qu'on a pensé peut-être beaucoup plus aux petites entreprises, aux moyennes entreprises qu'aux grandes entreprises, puisque je pense qu'au fond de leur cœur, tout le monde veut mieux faire, bien faire, mais ne savent pas où commencer et où avancer. Donc le but, c'était vraiment de créer des guidelines qui étaient simples à développer. Donc nous avons choisi 7 catégories. Et ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir avec vous chacune des catégories sur sa philosophie et vous donner une ou deux exemples des actions proposées, mais il y en a plusieurs. Okay? Donc la première catégorie, c'est le non-financial support to NGOs and vulnerable groups. Okay? Support to NGOs. Et c'est vrai qu'on a souvent associé support to NGOs à des dons. Alors moi, j'ai eu de la chance, avec le projet de Love Bridge, qui est un NGO, d'avoir le support non-financial des entreprises, où aujourd'hui les équipes de Love Bridge sont assises dans des bureaux à côté des travailleurs dans des compagnies et sont supportées par les équipes de HR, de logistique, les chauffeurs, le IT et toutes les choses que les NGOs ne peuvent pas afforder. Okay? Et je trouve que c'est vraiment une frontière complètement différente, pas seulement de donner de l'argent, mais du non-financial support. Donc, une des mesures, c'est forcément provision of permanent office space and other amenities to one or more NGOs. Chercher un dans la région et les accueillir et les encadrer. La seconde catégorie, qui pour moi peut-être est le plus important, employee engagement and involvement. J'ai eu de la chance chez Ciel Textile de lancer un programme qu'on appelle Act for Your Community, où avec nos 20 usines et 18 000 employés, une fois par an, on fait des événements. Mais avant l'événement, on implique les employés dans l'organisation. D'ailleurs, on voulait faire un salon avec les NGOs, qui est le salon du bénévolat, pour relancer le bénévolat à Maurice. Le bénévolat est quand même assez difficile pour les gens qui travaillent, les mères de famille qui rentrent chez eux, donc ils ne trouvent pas facile de libérer du temps. Alors, typiquement, une des mesures qu'on encourage, par exemple, c'est une demi-journée off from company time. Tellement facile pour une compagnie de signer une policy entre 2h et 4h pour ceux qui s'impliquent dans une cause. Et si à travers ce genre d'action, on peut encourager des centaines et des milliers de personnes à s'engager on company time, on pense que beaucoup de choses peuvent bouger. Un autre exemple, c'est setting up a structured committee which meets regularly to plan and execute community actions. L'esprit d'équipe qui se construit en entreprise est extraordinaire. Et j'ai presque envie de dire que le payback est souvent plus intéressant que nos meilleurs projets. Donc, employee engagement and involvement est une catégorie. Alors, clairement, nous faisons des suggestions, mais nous verrons aussi ce que les entreprises font pour enrichir, je dirais, la palette de propositions que nous avons. Okay? La troisième catégorie, c'est support to the needy and vulnerable employees within the organization. Moi, j'ai pris conscience que ceux qui sont dans le cercle de la pauvreté sont des working poor. Ce n'est pas des chômeurs. Il n'y a pas de chômage à Maurice. Très peu de chômage avant le Covid. Donc, quelque part, chez nous, dans nos entreprises, se trouvent ceux dont on parle et ceux qui ont besoin de soutien pour la lutte contre la pauvreté. Et c'est vrai qu'on a tendance à souvent chercher en dehors, alors que déjà chez nous, il y a beaucoup à faire. Donc, c'est ça la logique pour vulnerable employees within the organization. Et là, nous avons deux exemples très simples. Donc, identifier des employés dans une organisation qui ne sont pas autonomes en termes de food and provide support and relief. Vraiment pas compliqué. Et la seconde, qui va dans le même esprit, identifier vulnerable families whose children need educational support. Ne serait-ce que de financer les leçons. C'est exactement le genre d'action que si vraiment la plupart des entreprises pouvaient voir chez eux et donner l'appui ferait une énorme différence sur l'échelle nationale.
Quatrième catégorie, c'est inclusive employment. Alors là, on pense aux handicapés. OK. Formal and applied company policy to employ more disabled or ex-detainees. Alors, on peut commencer par un. Je vais que j'ai fait des spinning mills. Ça fait de longues années qu'il y a un aveugle qui est à la réception et qui est pour moi le meilleur qu'on a parmi le groupe. Et au fait, ce qu'on voulait faire chez Business Mauritius, ce qu'on n'a pas pu, c'est faire un espèce de checklist pour dire what different disabilities can do in terms of jobs. Et vraiment avoir de la affirmative action vis-à-vis de ça pour un ou un ratio d'emploi pour les handicapés et les ex-detainees aussi. Okay. Cinquième catégorie, c'est promotion of gender equality. Okay. Donc, alors là, c'est simple, flexible working hours for mothers and single parent households. Notre expérience chez Lovebridge nous dit que 50% des familles vulnérables sont single parent households. Donc, imaginez une mère, 4 enfants à écoler, à couvrir, et qui doivent, à côté de ça, travailler et sans s'absenter, etc., etc. Donc, vraiment, ça, c'est une mesure qui, si toutes les entreprises pouvaient l'adopter, de facto, assez rapidement, ferait une énorme différence. La sixième catégorie, c'est financial contribution to NGOs, over and above le CSR. Et là aussi, on encourage aux compagnies à adopter une formule pour aller plus loin. Les compagnies font énormément, mais ça serait encore mieux si on allait plus loin. Okay? Et last but not least, le fourth sector, social enterprises, qui sont des entreprises for non-profit making organizations. Ben, si on peut les aider ou financièrement ou à les donner du travail ou à les encourager, donc développer. Alors, tout simplement, ces sept catégories, donnent un peu comme résultat des checklists qui sont très pragmatiques et qui permettent à des gens qui veulent, mais qui ne savent pas comment, avancer assez rapidement avec des actions concrètes. Et peut-être le dernier point, c'est qu'on vise à peu près 200 compagnies d'ici 12 mois à enroll, qui, on espère, vont choisir quelques-unes de ces trucs et aller quand même beaucoup plus loin après. Monitor, progress and report. Et finalement, implement and reward and recognition. Donc, le comité va pencher dessus. On va se pencher dessus. Je crois que le message important aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas un aboutissement, mais aujourd'hui, c'est le premier pas. Puisque c'est vrai que c'est tellement facile, comme dans beaucoup de choses à Maurice, d'avoir de belles phrases, des jolis rabots qui sont sur le web. But nothing happens. C'est là où je demanderai l'appui de Business Mauritius. Mais on voudrait être proactif dans la démarche afin de promouvoir ces guidelines, monitor le développement et suivre les résultats derrière. Donc, merci à tous et on compte sur vous pour encourager l'implémentation de ces guidelines dans vos entreprises. Merci beaucoup. Merci, Harold. Merci encore pour ton temps, pour ton engagement. Et si on est ici aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à toi. We have the honor to have in our midst today His Excellency Mr. Eddie Boissezon, Vice President of the Republic of Mauritius, who has kindly accepted to say a few words on our event, on our occasion. Please welcome His Excellency Mr. Eddie Boissezon, Vice President of the Republic of Mauritius. Thank you. Bonsoir, merci. Mes chers amis, comment tu dis ça, tout protocole observé? Alors, Kevin, Philippe, enfin, je suis sûr d'oublier certains noms parce que vous êtes tous des personnes très importantes et si je commence à énumérer vos noms, ben, on sera là jusqu'à demain. Merci de votre présence. Ça me fait aussi plaisir de voir qu'il y a beaucoup de dames. Et ça aussi, c'est un pas en avant parce que je me rappelle avant, quelquefois, quand on allait à des réunions de la MEF, et on se retrouvait avec peut-être Monica Morel, Sylvie Lowe, c'est tout. Et là maintenant, bravo les dames, bravo aussi aux hommes qui reconnaissent l'importance de la gente féminine parmi nous.
J'ai préparé un discours, quelques notes, parce que c'est hier après-midi que j'ai su que j'allais venir. Et vous savez, je vous dis, pour la petite anecdote, vous savez que la semaine dernière, je crois que c'est jeudi dernier, j'ai eu l'occasion de parler à Kevin et à Philippe, et j'expliquais un peu mon projet, et je leur disais que, bon, pour le moment, je suis avec les NGOs, et je vois la motivation des NGOs, et que pour moi, le maître mot pour vaincre la misère, c'est l'accompagnement, et que je pensais que maintenant, il faudrait inclure le secteur privé dans notre démarche. Et bien vite, hein? Merci de m'avoir. Alors, tout d'abord, je vais féliciter les initiateurs of this project with inclusive development guidelines as the end product. Today, in the aftermath of the confinement relative to the COVID-19 pandemic and the prevention period of a recrudescence of a pekin, the march of the silence and invisible enemy, we must ensure that no one is left aside. The world has changed with the pandemic. Health systems are breathless. Companies are finding it difficult to sustain the weight of the lockdowns and may be forced to lock the doors forever. Students are at loss due to uncertainties regarding examination and employment. Consumers fear food insecurity due to a break in the supply chain. This apocalyptic picture should not be an end. Instead, it should bolster our fear and motive us to raise up and create a new normal. In its last report, the World Bank has forecasted that more than 100,000 persons will be pushed in extreme poverty and propose that solution should be found to restart economic activities and support the neediest. Most will not be saved. Appropriate, proactive, bold action have to be taken. We have to think about our neediest as they are particularly vulnerable to the shocks of the scourges of the pandemic. When the economy sneezes, the poor people catch pneumonia. The World Bank Group has already mobilized itself to support countries for the loss of hard and development gains and to reduce poverty. I quote Mr. David Malpass, president of the World Bank Group. As people in developing countries worldwide grapple with pandemic and deep recession, the World Bank Group remains committed to their future, providing the support and assistance they need to overcome this crisis and achieve a sustainable and inclusive recovery. Here, measures are being implemented to boost the economy, as we must not forget that we are a small island state without gifted natural resources except our WRGs. Recovery is hard and difficult. Companies in certain industries do not see the light. Thus, I congratulate Business Mauritius for their initiative in such hard time, not to give up, but instead roll up their sleeves for the fight. As reducing poverty is not a government responsibility. There is an important role of businesses to play as well. Businesses can help alleviate poverty with programs and projects that aim to improve the living conditions in underdeveloped communities. With the alleviation of poverty, people become more capable workers and professionals and able to take advantage of the goods and services that business have to offer. Poverty threatens the political, economic, and social stability the private sector so desperately seek and need in order to do business. Poverty does not allow our people to buy goods or services. Poverty creates tensions among the segments of our society. Poverty creates tension
due to hunger and malnutrition. Due to hunger and malnutrition, people are weak, and as people are the primary resource of our businesses, people must have a decent eat every day. Thus, it is very much in the interest of businesses to eliminate poverty. The private sector has a huge role in engaging in poverty alleviation strategies through its own activities and thus contributing to development opportunities, helping to support local community development, engaging in poverty alleviation projects, creating innovative social enterprises and inclusive supply chains as a track record for success. Beyond income, business can influence their dimension of poverty, such as limited opportunities and capabilities. These interlinked dimensions include food, nutrition insecurity, lack of access to basic quality services such as healthcare, education and sanitation, and low employment and personal security. The objectives of the guideline prepared by Business Mauritius is to help businesses to be more engaged and be a driving force in poverty alleviation and inclusive development. It aims at identifying and documenting various strategies that can be and are employed by corporations to reduce poverty. It is a call for action. Ladies and gentlemen, many organizations which have adopted social inclusive responsibility as an integral part of their business model and strategy have realized that those activities have not compromised their profitability. Instead, they have found that staff members' involvement in the implementation of social responsibilities of the organization has been a catalyst for their mindset. The employees are realizing that understanding each other in the organization was a motivating factor and that community involvement was challenging. Furthermore, the companies have realized that the best talented people are eager to join their teams, as talented persons are more inclined to work for socially oriented enterprise. Ladies and gentlemen, to conclude, I shall quote my friend Klaus Schwab: profitability, growth, and safeguards against existential are crucial to strengthening a company's long prospect. But if these three factors constitute a company's hard power, firms also need soft power, public trust and acceptance won by fulfilling a company's social responsibility. May I reiterate my gratitude for such laudable initiative. I believe that the inclusive development guidelines will inspire the business community, thus creating a feel-good factor which will lead towards a more inclusive, human and sustainable society. Thank you. Thank you, Your Excellency, for these inspiring words. I think we all are looking in the same direction here. Before I invite Kevin Ramkelawan to actually proceed with the launch, I'd like to remind that the launch of those guidelines, you'll see the guidelines themselves, are not just a small booklet. You'll be supported, businesses, when I say you, I mean businesses, you'll be supported by a website, an interactive platform, and for the larger companies, you realize that it's an inspiring tool. The guidelines are an inspiring tool for small companies who have not started and who would like to start. For larger companies that have tried a few ideas, but you have about 60 ideas there, so I'm sure you'll be challenged to find those that you still haven't done. And for larger ones, foundations, etc., what we've always tried to achieve is to consolidate impact
at business Mauritius level or at your group level. So that tool has been developed already. We'll continue to work on it with you so that we manage to actually measure the impact and consolidate impact at a national level or at your group level. So with this, I wanted to mention this because I think it's important for larger groups who are there to realize that it's larger than just what you've heard. I'd like now to invite Mr. Kevin Ramkelhorn to proceed with the launch, to come forward, as well as His Excellency, Mr. Vice President of the Republic, Philippe, and Harold as well. If you could move on to this side, and we'll proceed with. I would now like to invite the members of the subcommittee to join our four people there. So I'd like to name, Harold was already there, Marianne Griffith, Yogini, Fabrice, Percy, if he's around, Jonathan, of course, Christina, Audrey, Renuka, I'm not sure Renuka is there, or Jennifer Johnson, Mario, Radegonde, and Maga. To join in. It's been your work. Bravo. Congratulations. Great work. C'est pas fini. Faites de la place, il y aura plus de monde dans 2 minutes. Pendant que la photo se prend, j'aimerais rappeler que nous avons une série d'entreprises qui ont déjà indiqué leur engagement pour ces guidelines en spécifique. Donc j'aimerais inviter les représentants de ces entreprises. Restez sur place, s'il vous plaît. On aura une plus grande photo. Alors, I'd like to invite Mary Jensen from Middlesex. Mary, there you are. Mr. Anil Karimji from Karimji Group. Mr. Pascal Sin, if he's around. Mr. Pascal Sin, no. Siddharth Sharma. Thank you. Mathieu Razé. From Ciel, Siddharth Sharma from Rosil Transport Group, Marie-Laurence Dupont from IBL, Rajiv Ramlagan from Omnicane, Belinda Vaché from Rogers, I'm not going to call Philippe. And Christina is already there, so from Ecclesia. These groups have already committed to implementing those guidelines, so I'm sure many of you will join. These are the early adopters before we actually launched for group photo. Thank you for your commitment, and thank you for inspiring small and large companies, for inspiring others to actually join in. Thank you all. Well, we're done with this protocolary part. We have copies for all of you, so as you move for the refreshments, you'll get there. We still have some time to spend together as a networking event, so we'd like you to move to the lounge and network with us, network among yourselves, and feel free to discuss and ask us questions about how this is going to work out.